soba notable. Il y a I de PS, Tozali, Kotombela, Moko Moulamo, Namokondi Nabiso Yamboka, Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mboula Oyo Ezala, Esengo, pour le peuple congolais, Namoussala Nyoso, Akoussala, Zambé, Walikolo, Apesaye, Wanya, Mayele, Kouete, Ekolo Nabiso et Tombwa. Message que veut adresser à Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Chef de l'État, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Excellence, nous les notables des IDPS, présentons nos voeux, le meilleur, à Son Excellence, le Président de la République et Chef de l'État, et à la Première Dame, ainsi qu'à toute sa famille. Que les dieux de nos ancêtres les comblent de la sagesse afin de mener avec succès la destinée de notre nation. Bonne et heureuse année 2021. À présent, vous savez,
paysage et les contextes politiques actuels, le président AI, le président Jean-Marc Kaboun et le secrétaire général Kabuya sont représentés par le président Emani, le président de l'île des Gènes. C'est ainsi qu'à leur place, nous accordons la parole au président Emani pour placer un mot concernant cette cérémonie. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il est presque vivant. Viva! Il est presque vivant. Viva! Comprenez que je suis dans la cour du commandant ou le général de la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Je vais commencer mon petit speech en réveillant un peu. Le 31 janvier, c'est aujourd'hui, le dernier jour du premier mois, n'est-ce pas, de l'année 2021. Permettez-moi de pouvoir vous souhaiter une bonne année, et qu'en état, meilleur vœu à tous. Parce que cette année, c'est l'année plus que de l'action. Le chef a dit Moussala et Badi. Issalou et Badi. Permettez-moi aussi de rappeler ici que nous avons reçu mandat de pouvoir commander la Ligue des Jeunes depuis déjà 15 mois. Et la mission qui nous a été confiée, c'était de mettre la discipline et de l'ordre au sein de la Ligue des Jeunes. Ici, je représente officiellement les partis, parce que je suis un officiel, mais je tiens à rappeler ici parce qu'il y a le jeune parmi nous et les leaders des associations. Et au sein de la Ligue des Jeunes, nous avons aussi la mission d'encadrer les associations qui viennent s'affilier. Et la décision 020 qui régule le fonctionnement du comité directeur de la Ligue des Jeunes précise clairement, à son article 15, les modalités pour être affilié à la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Il faut d'abord apporter les règlements et les statuts de votre association pour qu'on puisse tamiser, n'est-ce pas, la conformité par rapport aux objectifs du parti. Et à côté de ça, il faut que cette association qui va être affiliée, parce que la Ligue des Jeunes a 5 missions, 4 missions, la mission de recruter, de former, d'encadrer, de mobiliser les membres. Et par rapport à cette mission de recruter, nous demandons, ou la décision 020 demande à chaque association qui vient, qui a décidé de s'affilier à la Ligue des Jeunes, de pouvoir apporter au parti 100 membres au minimum. Voilà les préalables pour se faire association affiliée au sein de la Ligue des Jeunes. Et toute association qui vient s'affilier doit suivre le mode opératoire du parti et de la Ligue des Jeunes. Nous avons été déçus, excusez-moi de pouvoir rappeler quand même, nous avons vu un groupe d'associations qui se sont permis, les associations qui se sont permis de pouvoir faire une déclaration contre la hiérarchie du parti. Ils ont même dit dans leur déclaration qu'ils ne voulaient plus être sous le leadership de la Ligue des Jeunes. Et selon eux, je ne sais pas, ils ont basé leur thèse sur quel argument, quel texte du parti, ils vont directement dépendre du secrétaire général du président du parti. C'est une aberration. Ici, je vais vous prier d'être nos ambassadeurs et pouvoir véhiculer la bonne information. C'est la Ligue des Jeunes de l'UDPS qui coordonne toutes les associations qui viennent s'affilier au sein du parti. Nous avons l'honneur ici d'avoir les fondateurs, un des fondateurs du parti. Nous avons déjà honoré le Sphinx qui nous avait quitté le 1er février, et c'est là, ça va faire 4 ans, elle est déjà là. Mais je vais demander ici aux jeunes de pouvoir retenir l'enseignement principal des têtes de Tshisekedi. Son enseignement principal, c'est quoi? Quand il dit le peuple d'abord, ça sous-entend aimer le Congo et aimer le Congo. L'amour du Congo et l'amour du Congo. Nous faisons les associations de recouvrement. N'oublions pas ces principes moteurs
qui doit nous conduire en tant que jeunes de l'IDPS. On ne doit pas faire des associations pour pouvoir profiter des opportunités qu'il va offrir, ce n'est pas l'IDPS, mais les associations existent pour que vous soyez un canal, pour que le message de Tshisekedi ce qu'il puisse passer et accompagner les actions du chef de l'État. L'IDPS viva. L'IDPS viva. Viva. Donc, pour ne pas éterniser la parole ici, je tiens à remercier les organisateurs qui doivent continuer dans cette lancée parce que les jeunes ont besoin de l'encadrement et de la formation. Ils doivent recevoir la bonne information à travers des personnes bien qualifiées, des personnes qui ont reçu les mandats du parti. Et surtout, je vais vous demander ici solennellement, vous jeunes du parti, de pouvoir respecter la hiérarchie du parti et rester derrière nos textes en les appliquant. C'est comme ça que nous allons redonner de l'espoir ou une nouvelle image à notre jeunesse. Voilà ce que je pouvais placer ici comme continuité pour tous les conférenciers. Je vous remercie. Merci. Il est tout puissant parce qu'il a compris que le peuple congolais a assez souffert. Il faut délivrer cette peuple. C'est pourquoi il y a le Josué qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi qui vient maintenant faire entrer ce peuple-là au Canada. Nous allons vivre maintenant les Canada. Et déjà à l'Assemblée nationale, il y aura un changement parce que le bureau maintenant, le bureau définitif, va servir le peuple et non un mot d'ordre. Un message aux jeunes turcs de l'IDPS qui se disent un peu dessus. Non, je vais demander aux jeunes d'être patients. Vous savez, même lorsqu'il y a eu la traversée de l'Égypte, ce n'est pas tout de suite que les peuples israélites ont commencé à fuir le Canaan. Ils doivent être patients. Nous avons patienté pendant 32 ans. Le temps qui reste pour que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier de notre combat, c'est un temps court. Donc, le chef de l'État est en train de mettre sur le point pour que vous soyez politique ou non, vous puissiez jouir des avantages de notre nation. Merci beaucoup. Est-ce que si vous en confirmez aussi la paix des 4 modèles qui viennent passer au niveau de l'information? Mais écoutez, ce qui s'est passé, c'est de la démocratie, la pire démocratie. Et maintenant, nos députés, il faut les féliciter parce qu'ils ont compris que travailler pour un individu, ça ne vaut pas la peine, il faut plutôt travailler pour la nation. Confirmez-vous aussi que Michael Richard, c'est pas le poste, c'est l'électricité, Évidemment, quand on dit peuple d'abord, on ne dit pas poste d'abord. C'est le peuple d'abord, il faut travailler pour le peuple, il faut s'investir pour le peuple, sinon pour le poste. Il nous reste que 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, vous savez déjà avec les 2 ans, le déboulonnement s'est déroulé. C'était l'essentiel, c'était la fondation. Maintenant, il faut, comme le chef l'a dit, qu'il s'appelle Mebanda. Il va maintenant commencer. Un petit message pour le jeune. Ok, je vais dire à tous les jeunes de Moamba de continuer à soutenir, à accompagner les chefs de l'État. Quand je dis accompagner, ce n'est pas regarder de loin, mais de participer. Participer à l'action gouvernementale du chef de l'État. Et tous, nous allons récolter les fruits du changement qu'apporte Félix Antoine Tshisekedi. C'est un numéro WhatsApp. Thank you.
qu'est-ce qu'on peut retenir de l'activité d'aujourd'hui? Non, l'activité d'aujourd'hui, on voulait juste montrer à la face du monde que les combats qu'a toujours prôné Leader Press, donc c'est un combat pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour le bien de Leader Press, mais c'est pour le bien de la nation tout entière. Et que ça coïncide avec l'anniversaire du 5 qui tombe demain. Ouais, puisque lui, il est les militants du premier temps. Et d'ailleurs, il est parmi les pères fondateurs de notre cher parti. Donc, c'est lui-même l'acteur principal. Et président, le 10 ans de Fatih, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, le 10 ans de Fatih, c'est un 10 ans meilleur pour nous. Hein? Pourquoi? Parce que dans les 2 ans là, malgré les tractations avec nos amis de l'autre côté là, mais quand même Fatih a déboulonné. Fatih a donné aux Congolais la gratuité de l'enseignement. Ça c'est énorme. Cela reste scellé dans le mémoire de tout Congolais. Et si vous avez un mot particulier à lui adresser, parce que son père demain il totalise combien déjà? 4 ans. Depuis qu'il est parti. Ouais, vous savez, l'autre fois le chef de l'État disait c'est maintenant ou jamais. Vous comprenez? Donc nous sommes derrière lui, nous l'encourageons, puisque c'est un bon chef. C'est pour la toute première fois que les Congolais puissent avoir un chef qui a les soucis de sa nation. Un chef comme qui son est père. Tout près, oui, qui est tout près de sa base. Un chef qui comprend. Un chef qui partage les tout avec tout le monde. Qui est accessible. Donc il doit être sur les traces de son père. Merci à vous. Merci. Oui, monsieur, s'il vous plaît, juste une question. Et à la lueur où vont les choses, est-ce qu'il y a moyen, ou soit quel avenir vont nous espérer pour le jeune militant de l'IDPS? Non, bon, vous savez, pour le jeune militant de l'IDPS, je vais vous dire, l'IDPS est un état d'esprit. Vous comprenez? Quand on parle de la jeunesse peut-être c'est une jeunesse physique, mais mentale, c'est une idéologie, c'est un état d'esprit. Donc, j'ai dit, c'est un avenir meilleur. Il y aura aussi des séances, des formations pour ces jeunes. Ouais, c'est comme ce que nous faisons aujourd'hui. Tu vois, une conférence débat où il y a des animateurs qui orientent, qui parlent, donc qui montrent le chemin, qui travaillent pour que cette génération-là puisse rester toujours dans le même chemin que nos pères fondateurs. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.